Rends-toi bien chez toi. Au revoir. Allez, pose. Choisis une carte, n'importe laquelle. Laisse tomber, Tim. Ce truc est vieux comme le monde. Allez, fais ce que je te dis. Il faut que tu choisisses une carte. Ce qu'il te faut, c'est de nouveaux trucs comme ceux d'Amazon. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir les moyens. Rien qu'avec quelques-uns de ces tours, tu pourrais devenir le grand Timotini. Bonjour, monsieur Malik. Tiens, quoi de neuf, Mago? Vous avez vu les numéros d'Amazon? Ils sont géniaux. Figure-toi qu'il était ici ce matin même en personne. Oh mince! C'est pour quoi faire ce truc? Entre là-dedans, je vais te montrer. J'ai vu Amazon faire ça à la télé mardi dernier. Là, doucement. Remets ça à sa place, tu veux? Il ne suffit pas d'avoir vu un tour pour le réussir. Pour ça, il faut beaucoup d'entraînement. Je voulais seulement montrer à Foz. Eh bien, moi, j'ai autre chose à vous montrer. Venez voir. Hé! Hey, ce serait pas une... Guillotine! Tu as gagné. Ouh, ça coupe. Vous voyez, il y a plus de 2 siècles en France, c'était l'équivalent de la chaise électrique. Tenez, imaginez que cette banane soit le condamné. Eh bien, on lui faisait passer la tête ici, et ensuite... Et le tour était joué. Qui veut une banane? Waouh, t'as vu ça? Bon, j'ai besoin d'un coup de main. Qui veut bien m'aider? Pendant que je passe ma main ici, est-ce que l'un de vous deux pourrait remonter le levier qui est à gauche pour maintenir le couperet en place? Non, pas celui-là! Téléphone à la police, vite, dépêche-toi! Je vous demande pardon, je l'ai pas fait exprès! Je suis vraiment désolée! J'ai remonté le levier comme vous me l'aviez demandé! Fais vite! Dépêche-toi! Vite! Pauvre de moi! Comment je vais faire? Mais comment je vais faire? Ma main est toujours là! Qu'est-ce que tu dis de ça? Pas mal, hein? C'est super ce truc. Combien ça coûte? 250. Seulement 250, vous êtes sûr? Il veut dire 250 000, Andouille. J'aurais jamais les moyens de me payer des tours valables. Attends. Il y a quelque chose que tu n'auras pas besoin de te payer. Là, derrière ton oreille, 2 billets d'entrée gratuits. Oh, 2 billets pour le spectacle d'Amazon ce soir, c'est génial! Pour vous deux, vous me raconterez ça demain. Ouais, ce sera sans moi. Ça commence seulement à 22h et on a école demain. Ma mère voudra jamais me laisser y aller. La tienne non plus, d'ailleurs. Une occasion comme celle-là, ça se présente qu'une fois dans une vie. Amazon est le plus grand illusionniste qui existe au monde. Et toi, si t'arrives à sortir de chez toi pour aller le voir, tu seras bien plus fort. Tu vas? Il faut que j'aille au garage pour m'entraîner à faire un tour. Ah, t'en es sûre? Bon, d'accord. Je dois aller au manoir de minuit pour voir Amazon. Je vais te dire que t'es sortie. Non, 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 Jimmy, s'il te plaît. Entendu, je dirai rien. À condition que tu m'emmènes avec toi. Pas question, mais d'abord t'as horreur de la magie. Tu l'auras voulu, maman! Amazon, il a intérêt à faire de bons tours. Et toi, tu feras mieux de te taire. Mesdames et messieurs, le manoir de minuit est fier d'accueillir ce soir dans ses murs le prince de la prestidigitation, le maître de l'illusion, le merveilleux magicien Amazon. Ouais, oh, 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 oh. Il est formidable. Peut-être qu'il va me choisir comme volontaire, qui sait? Oh!
C'est génial, hein? Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que tu as, vieux? Tu es tombé sur un bec de lièvre? C'est la première chose que tout magicien doit savoir. Les lapins n'ont pas le moindre sens de l'humour. Ah, j'adore quand ils se mettent en boule. À présent, mesdames et messieurs, je vais avoir besoin d'un volontaire parmi les spectateurs. Ah, vous, jeune homme? Vous voulez venir? Il m'a choisi, j'arrive tout de suite, me voilà! Je vous demande de l'applaudir. J'ai besoin de quelqu'un d'assez petit pour tenir dans cette boîte. Et je crois que vous faites la bonne taille, mais nous allons vérifier, ce sera plus sûr. Très bien. Ah! Oh, j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle pour vous, mon garçon. Vous faites un pouce de trop. Oh. Mais attendez. Je crois qu'avec ça, on devrait pouvoir vous baptiser. Bon, comment t'appelles-tu? Tim. Tim. Tim, je dois être honnête avec toi, c'est un tout nouveau numéro. Je n'ai pas eu le temps de le perfectionner, c'est pourquoi ça ne marche pas toujours. Alors, comme tu m'as l'air d'une tête brûlée, grimpe là-dedans. Vous savez, c'est assez facile de faire disparaître quelqu'un, mais pour le faire revenir, c'est une autre paire de manches. Oh, à propos, si tu croises un grand rouquin avec une chemise hawaïenne, dis-lui qu'il a eu un A en science et que sa chatte a eu des petits. Attention, on ferme. 1, 2, 3, 4. Quand j'ouvrirai la malle, Tim ne sera plus dedans. Oh! Ce que c'est chouette! Et maintenant, ouvrez grand vos yeux. Ohé! Y a quelqu'un? Je suis enfermé! Hé, hey, venez ouvrir la porte! Le spectacle est terminé. Merci à tous. Ouais, mais moi, j'aurais pas vu grand-chose. Hé, petit. La sortie, c'est de l'autre côté. Monsieur Amazo? Écoutez, je voulais vous mettre au courant. Je sais pas si vous le savez, mais ils m'ont laissé enfermer dans cette pièce pendant tout... Tais-toi! Tu sais combien d'enfants voudraient être dans mon numéro? Allez, dehors, affreux petit polisson! C'est moi que vous traitez d'affreux petit polisson? Mais qu'est-ce que tu attends? Tu es sourd ou stupide? Dehors! Magie d'Amazo. Et ferme la porte derrière toi. Où est-ce que t'étais passé? Chut, Ginny! T'allais partir sans moi, hein? Je vais le dire à maman, tu vas voir. Excuse-moi. Ce minable d'Amazo m'avait enfermé à clé dans une pièce. J'arrive pas à le croire. Mon idole n'est qu'un pauvre type. C'est quoi ce que t'as là? C'est la mallette de magie d'Amazo. Tu lui as volé? Oui, je l'ai trouvée dans sa loge, figure-toi. Je doute que ce minus puisse faire grand-chose sans elle. Je veux la voir. Pas maintenant, il faut qu'on se sauve. Tout de suite! Non! Je te laisserai la voir demain à la première heure, je peux te le promettre. Allez, viens! Oh.
Apparemment, elle était piégée. Il a dû mettre une puce électronique à l'intérieur. Hé, fais attention. Où est le mode d'emploi? T'en as une idée? Il n'y a aucun mode d'emploi pour ce truc-là. C'est pas un jeu ni un jouet, tu sais. Tout ça, ce sont les affaires personnelles d'Amazo. Il n'y a aucune notice qui va avec. Ça, c'est un faux. Mais regarde ça un peu. On dirait un vrai serpent. Alors ça, c'est du matériel. C'est quoi ça, à ton avis? Oh, c'est un rideau. On met ça devant les choses qu'on veut faire disparaître. C'est génial! Range ça à sa place. Ginny, je t'ai dit de ranger ça. Ne t'amuse pas avec ça, tu entends? Ginny! Ginny? Oh non! Oh non! Je viens de transformer ma sœur en lapin! Ginny? Ginny! Si c'est bien toi, fais-moi un signe! Tu veux un signe? Il y en a un au coin de la rue qui veut dire stop! Ah! Pourquoi tu regardes autour de toi? Il n'y a que toi et moi ici. Mais... Tu te prends pour un mouton? Parle-moi d'homme à homme. Mais vous êtes un lapin. Et toi, tu es un gamin. Ne te fie pas aux apparences. Extérieurement, j'ai l'air d'un lapin. Mais intérieurement, je suis El Sidney, le célèbre magicien. Tu as dû entendre parler de moi. Si vous êtes réellement Sidney, alors dites... El Sidney. Si vous êtes réellement El Sidney, alors dites-moi où est ma sœur. Où est Ginny? Mais repose-moi, tu veux? Ta sœur disparue, envolée. Et c'est l'œuvre d'Amazo et de ses tours diaboliques. Elle n'aurait jamais dû toucher à ses affaires. Oh, misère! Je savais que j'aurais dû laisser cette mallette où elle était. Il faut que je fasse revenir ma sœur. Sinon, je vais me faire tuer par mes parents. Toi. Et moi, alors? Tu sais, depuis combien d'années je suis un lapin? Toutes les humiliations que j'ai subies. J'ai rencontré Amazo quand je n'étais encore qu'un débutant dans le monde de la magie. Il était mon héros. Et le mien aussi. Surtout depuis son fameux numéro avec la guillotine. Une vaste plaisanterie, tu veux dire. C'est moi qui l'ai inventé. C'est vrai? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé le voir en coulisses un jour et il m'a encouragé. Peu après, j'étais en passe de devenir une vedette. Lorsqu'un soir, je croisais Amazo, j'avais cette baguette magique vieille de 2 siècles que je voulais lui montrer. C'était de la vraie magie et non pas un simple accessoire. Amazo en est devenu fou. Il me l'a volé. En fait, il m'a volé tout mon numéro. Et qui plus est, il m'a transformé en lapin. Et maintenant, il se sert de moi dans son spectacle. Oui, mais ma sœur dans tout ça? Je peux te la ramener, mais j'ai besoin de ton aide. J'ai un peu perdu la main, si je puis dire. Bon, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu n'auras qu'une chose à faire. Récupérer ma baguette magique. Hé! Cesse de trembler, mon gars. Je sens que tu vas faire des bêtises. Chut! Si jamais Amazo t'attrape, tu finiras ta carrière d'illusionniste sous le nom de Tim, le poulet dansant. Suis-moi, il range la baguette avec ses accessoires sur la scène. La lumière, l'interrupteur est sur ta gauche. Cesse de t'amuser, nous avons du pain sur la planche. Ferme la bouche, on dirait que tu gobes les mouches. Nous devons retrouver cette baguette magique avant qu'Amazo ne revienne pour répéter. Excusez-moi, à quoi elle ressemble? À une baguette noire de 60 cm avec des embouts blancs. Ouvre ce placard. Est-ce que vous êtes grincheux alors? Je suis sous tension, bougre d'idiot. Et en plus, j'ai des puces. Oh! Bravo, tu as gagné. Oui, mais laquelle est la bonne? Fais comme si tu étais un magicien. Allez, lance-toi! Abracadabra, tu es un magicien! Vas-y, prononce les mots magiques! Abracadabra! Regardez! Non, c'est pas celle-ci! Essayez-en une autre! Alakazam! Rigatoni! On l'a pas toute la nuit! Hé! Hey, celle-ci peut plus rien faire! Elle est fichue, on dirait. Je vais te montrer ce qu'elle peut faire. Mets-moi dans le coffre. Attendez une minute. Vous aviez dit que vous feriez d'abord revenir ma sœur. Vite, fais-moi revenir, après je ferai revenir ta sœur. On avait passé un accord, n'oubliez pas ce qu'on avait dit. Très bien, d'accord, cessons de perdre notre temps. Oui. Dépêche-toi de sortir le rideau. Très bien, déplie-le. Ensuite, prends la baguette magique.
prononce la formule magique et fais réapparaître ta sœur. Quelle formule magique? Quelle formule magique? Mais tu veux devenir magicien, oui ou non? Très bien. Alakazam! Alakazar! Jenny, par le pouvoir de ces mots magiques, reviens! Oh! Ça, je vais le dire à maman! Mais Jenny, écoute, j'y suis pour rien dans tout ça! C'est toi qui as voulu qu'elle revienne. Bon, allez, vite, prends-moi, nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais elle va tout raconter! Elle aille tout raconter à qui elle voudra. Avec le talent que tu as, je pourrais te prendre comme assistant. C'est vrai? Bien sûr! À la façon dont tu as prononcé la formule magique, on voit que tu es très doué. C'est vrai? Vous me prendriez comme assistant avec vous sur scène? Tous les soirs et en matinée le dimanche. Mais vite, dépêche-toi de me mettre dans le coffre. Ah, hé, doucement! C'est ma patte porte-bonheur! Pardon? Est-ce que ça va? Oui, ça va. Alakazam! Alakazar! Ça va finir par devenir une habitude. Quel Sydney retrouve son apparence humaine? Qui est là? Mais je te reconnais, c'est toi que j'ai fait disparaître ce soir. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Où étais-tu passé? Eh bien, j'ai attendu. Après, vous m'avez dit de m'en aller. Vous vous souvenez? Tu as dû rêver. Jamais je ne t'ai dit ça. Ah, tu as retrouvé ma mallette. Je te remercie. J'ai essayé quelques tours. J'espère que ça ne vous ennuie pas. Tu as bien fait, du moment que... Mais où est passé le lapin? Tu ne l'as pas laissé filer, j'espère? Il est très dangereux et très rusé. Autrefois, c'était un méchant magicien, mais je l'ai transformé en lapin pour le bien de tout le monde, tu vois? Il a dit que c'était vous, le méchant? Ouais, ça ne m'étonne pas de lui. Tu as parlé avec lui? C'est moi, je suis revenu. Est-ce que tu cherches ceci? Est-ce que tu sais ce que ça fait de ne manger que des feuilles de laitue et des carottes sans sauce, sans vinaigrette, rien que de la laitue et des carottes? Tu sais ce que ça fait de vivre dans un chapeau haute forme? Tu sais ce que ça fait d'être saisi, d'être soulevé à tout bout de champ par les oreilles? J'étais furieux, j'ai failli perdre mon lapin. Mais c'est fini! Tu croyais que tu réussirais à garder prisonnier le grand L. Sydney à tout jamais dans la peau d'un lapin? Laisse-moi rire, tu n'es pas assez bon pour ça, tu n'as jamais été du reste. Maintenant, c'est mon tour. Bienvenue à toi, Amazo, mon lapinouille. Monsieur Alcidien, je crois bien que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ou bien qu'est-ce que tu veux dire? On commence tout juste à s'amuser. Le grand Timotini est beaucoup trop doué pour que je laisse partir. Et puis souviens-toi, nous avons passé un accord, il me semble. Je te veux dans mon numéro. C'est vrai? Absolument. Ce n'était pas ce que tu voulais? Eh bien, oui. Dans ce cas, nous sommes d'accord. Le manoir de minuit est fier d'accueillir pour son retour sur scène L. Sydney. En général, mesdames et messieurs, je n'utilise qu'un seul petit lapinou. Mais hélas, ce tour ne marche pas toujours comme il faudrait. Je crains d'être un petit peu rouillé, à vrai dire. Aussi rouillé que cette guillotine. À présent, mesdames et messieurs, il me faudrait un volontaire parmi les spectateurs, quelqu'un qui n'ait pas peur, entre autres, de faire le coup du lapin. Ne t'en fais pas, Tim. Je finirai par trouver le moyen de nous sortir de ce pétrin. Quoi? Me faire quitter les feux de la rampe?